Vous êtes sur RTL. Merci beaucoup, cher Louis. 7h38, on retrouve François Langlais pour l'Angleco. Bonjour François. Bonjour Yves et bonjour à tous. La crise sanitaire pourrait se traduire par le retour massif d'un produit interdit, le plastique jetable. Oui, en fait, ce matériau sera proscrit en Europe à partir de 2021 et certains pays comme la France ont même devancé l'appel en interdisant déjà les sacs non réutilisables. Oui. Les plastiques sont en effet l'une des principales sources de pollution de la planète, des océans en particulier, on le sait, hein, selon le dernier rapport de l'ONU. Et voilà que l'épidémie relance à fond la production mondiale de plastique parce qu'on lui prête des vertus d'agent barrière, en quelque sorte pour lutter contre la propagation du virus. Alors que seuls 14% des plastiques produits sont recyclables sur les dizaines de millions de tonnes qu'on industrialise chaque année. Alors j'imagine que le matériel dit de protection joue un grand rôle dans cette reprise, hein. Oui, bien sûr, les masques par exemple, bon nombre d'entre eux sont faits pour partie avec des plastiques. Les gants, les surblouses pour les soignants. Dans les régions d'Espagne les plus touchées par l'épidémie, les déchets hospitaliers, singulièrement en plastique, ont été multipliés par 4. Nous apprend le journal The Conversation. Je vais y arriver. C'est pas l'espagnol, mais c'est pas plus facile. Idem dans les EHPAD, mais il n'y a pas que ça en fait. Il y a aussi la multiplication des vitres de protection en plexiglas. Vous savez, dans les commerces, les pharmacies et peut-être demain dans les bars, dans les restaurants même, on en parle. Hein. Le plexiglas, c'est une sorte de plastique qui est en plus traité avec un agent chimique pour résister à l'incendie, quelquefois même pour filtrer les rayons solaires. Il y a encore la suppression des fontaines à eau dans les entreprises, au profit de bouteilles d'eau en plastique pour les salariés, ou même pour les clients. Aux États-Unis, par exemple, Starbucks, c'est une chaîne de cafétéria. Elle a interdit à ses clients de venir avec leur propre tasse réutilisable par peur de la contamination. Alors que jusqu'à il y a quelques mois, elle leur demandait l'inverse, hein, évidemment. Et tout ça, sans compter l'explosion de l'emballage alimentaire. Parce que la consommation de produits alimentaires a augmenté ? Mais pas seulement. Ah. Auparavant, une bonne partie des achats se faisait par grande quantité, vous savez, pour les cantines ou les restaurants. Achats où la part de l'emballage par rapport au produit était faible. Mm-hmm. Dans les supermarchés, pour les consommateurs individuels, c'est exactement le contraire. Taille de l'emballage très importante et petite quantité. Or, pendant le confinement, et d'ailleurs encore aujourd'hui, les ventes ne se font plus en gros, puisque cantines et restaurants sont fermés, tout se vend au détail. À ça, il faut ajouter le boom du drive, où les produits sont suremballés. Celui de la livraison à domicile, de produits cuisinés par exemple, c'est pareil. Et puis plus largement, le bond du commerce par Internet, où l'emballage est également plus important, parce qu'on se soucie de protéger les produits pendant le transport. Dites donc, vous me faites peur là, ça veut dire que les réglementations sur l'interdiction du plastique ne seront pas respectées ? C'est possible. Hein. Et dans certains États américains, l'interdiction du jetable a été repoussée, figurez-vous, à cause de la crise sanitaire. Alors, à l'initiative des industriels du secteur qui se sont engouffrés dans la brèche. En Europe, le lobby du plastique a tenté la même manœuvre, mais jusqu'ici sans succès. Reste qu'il va falloir traiter ces monceaux de déchets plastiques, réutilisables ou non. Un sac de supermarché sert en moyenne 20 minutes seulement, et il survit jusqu'à 400 ans dans la nature sous forme de déchets. On a compris les enjeux. Merci beaucoup François Langlais. Dans votre hors-série de l'Angleco, vous vous intéressez à l'industrie automobile. La crise sanitaire va-t-elle obliger les constructeurs à la relocalisation ? C'est le thème donc de ce podcast gratuit à retrouver sur le site.